L'anatomie, c'est la science qui étudie la forme, la structure et le positionnement des organes de notre corps, ainsi que la relation entre elles. Le corps humain possède environ 656 muscles dont la taille varie selon leur fonction. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément le plus passionnant, le plus mystérieux de l'univers, le cerveau. Le cerveau est l'organe le plus puissant du corps humain. Pourtant, il ne pèse que 3 livres. L'œil est composé à 98% d'eau. C'est un organe principal de la vision qui permet à un être vivant de capter la lumière et pour ensuite analyser et interagir avec son environnement. Le cérumen permet, avec les poils, de filtrer les poussières et autres corps étrangers qui peuvent s'immiscer dans l'oreille. Quel est le fonctionnement des poumons? Lorsqu'on respire, l'air entre par la bouche ou bien le nez, l'air est introduit avant de passer dans le larynx, puis descend par la trachée. L'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone se fait dans les alvéoles. Le squelette humain est divisé en deux parties, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Le squelette axial est constitué du crâne qui protège le cerveau et maintient la structure du visage.